Hoi, c'est Kalten et c'est parti pour la quatrième partie du Let's Play sur Resident Evil 2 sur PlayStation. La dernière fois, on s'était arrêté ici, donc la sauvegarde nous indiquait que si, qu'il s'agissait d'une salle d'attente. Ça semble logique. On voit un espèce d'accueil et compagnie. Et on s'apprêtait à explorer la suite qui se trouve juste ici. Je crois que on avait vu. Je crois que c'était une salle en feu, il me semble. J'ai pas regardé la partie d'avant. Non, c'était pas ça? Si, c'était ça. Voilà. Et là, il y avait du feu. Bon, du coup, on peut rien faire. Enfin, je pense. D'ailleurs, que nous dit la carte? J'ai pas exploré la suite. Ah! Stop. Ah, c'était pas une porte fermée ici? Non, c'était pas une porte fermée, c'est juste une porte que j'ai pas explorée. Par flip, j'imagine. Ah. Ça avait plutôt l'air d'être des sons de corbeaux. Ah oui, si. Il a été piqué à mort. Merde. Ah! Quelle horreur. Vite, il y a... Mais lâche-moi. Putain. Oh, je vais mal! Ah, ça va, je suis encore dans le jaune. En soi, ils auraient pu me suivre, hein. Du coup, les fenêtres sont ouvertes. Mais j'ai pas trop envie d'y retourner, bizarrement. Que nous dit la carte? Pardon. Repardon. Ah. Non, je plaisante. Oui, donc... Ah, j'ai loupé une porte de l'autre côté. Je pense que j'irai pas tout de suite. Quoique, je vais voir si jamais ils y sont toujours. Si ça se trouve, ils se sont barrés, les piafs. C'est des choses qui peuvent arriver. De toute façon, on va bien voir, hein. Je suppose qu'ils m'attendent pas derrière la porte. Que j'ai bien envie d'aller voir quand même ceux qui se cachent derrière la porte que j'ai pas ouverte encore. Non, finalement, j'ai plus envie. Putain, ils sont encore là, quoi. Alors je sais que je pourrais les abattre, mais c'est des ennemis volants, ils sont un peu chiants à battre en fait. Mais c'est quoi ce truc? On dirait un... Ouais, c'est un hélicoptère qui s'est écrasé en fait. Bon, on va descendre. Attends, restons prêts quand même. Sait-on jamais? Bah tiens. Oh. Alors... Elle a la flaque de sang. Lui, je vois pas encore. Apparemment, il est bien mort. Oh, t'es costaud, toi. Bon, toi, tu fais n'importe quoi. Oh, mais c'est que t'es pas encore mort, toi. Ah! Ah, je crois que je vois la flaque de sang. Qu'est-ce que je fous? Je me trompe toujours de bouton.
Là, je vais vraiment là où la vie m'amène, hein. C'est improvisation totale. Voyons la carte, hein, parce que je m'y repère pas du tout. City area. La ville. Oh là. Qu'est-ce que cela? Déjà, oui, je vais les prendre. Il y a une espèce de vanne ici. De valve, oui, plutôt. De poignée de valve, même. Oui. Peut-être que. Attendez. On va l'examiner. Il y avait peut-être l'espèce de salle de l'horloge là dans le commissariat. Je peux peut-être en faire quelque chose. Ça c'est pas mal. Il y a une machine à écrire. Je peux encore aller plus loin. Enfin, j'imagine qu'à un moment ça va s'arrêter. C'était peut-être pas la meilleure des idées. Putain, il est pas encore mort, lui. Ah! Oh putain! Bon, là, il est mort. Par contre, elle est pas encore morte. Ça y est, elle est morte. Bah, du coup, ils m'ont pas touché, je crois. Too dangerous to go outside! Je l'ai ouverte pour rien! Elle n'empêche, d'un côté, heureusement que je l'ai pas fait. Enfin, heureusement que je l'ai pas fait avant, quoi. Heureusement que je connaissais pas vraiment le jeu avant. Parce que sinon, on n'aurait jamais vu ça. Ce que j'aurais fait, non, mais on peut pas y aller. Ouais, bon, là, y a rien, hein, on est d'accord. Il y a beaucoup de machines à écrire par contre, hein, je trouve. Oh putain, il va falloir retourner voir les piafs, quoi. Tiens. Il y a quelque chose par là. A water pressure valve, it treats. Une pression excessive pourrait briser le réservoir d'eau. Mais allons-y. En fait, c'est ici qu'il fallait l'utiliser. Et d'un côté, je pense qu'il faut augmenter la pression pour éteindre l'incendie de l'hélico. Voilà. Ah, c'est bien fait la vie quand même. Et oui, je crois que en fait, je parlais tout à l'heure de la salle de l'horloge. Il me semble que c'était un trou carré qu'on voyait. Et donc là, ça correspondait pas de toute façon. Bon, ça va pas être juste pour ça quand même. Un bel hélicoptère est complètement cassé. Sans deck. J'ai compris. Comment vous dites? Ah, d'accord. Quand même pas juste pour ça. Sérieusement? Non. Juste pour 15 minutes flingue. Non, quand même pas. D'un côté, on a encore la manivelle. Si ça se trouve, on en a besoin. Si ça se trouve, j'ai dit des bêtises et il y en a effectivement besoin dans la salle de l'horloge là. Mais ça me paraît assez peu probable. Ou alors, il y en a besoin dans cette salle. Des esquives.
Ah bah oui, mais non, mais... D'accord, c'est bien de la déverrouiller, mais... Rentre! Qu'est-ce que je fous là? Danger! D'ailleurs, j'ai oublié de poser les rubans en croix dans le coffre. Je suis un professionnel de la survie. Auto. Auto ou manuel? Auto. Et on va la recharger. Putain, c'est quoi toutes ces herbes vertes là? Ça me fait flipper franchement qu'on nous donne autant d'herbes vertes. Où est-ce qu'on est? Ouais, là on est vraiment de l'autre côté du rez-de-chaussée. Bon. Ça, c'est conforme à mes souvenirs en fait. Je me souviens bien qu'on pouvait aller que d'un côté et on faisait le tour par l'étage. Tiens. Ça, c'est bien pratique une table. Je vous avoue. Parce que comme ça. Bon, là, vous les voyez peut-être pas très vite, mais. Merde. Il doit faire le tour, en fait. Tout bêtement. S'ils veulent m'atteindre, ils sont obligés de faire le tour. Saloperie! Ah, le moment est idéal. En fait, vous savez, je trouve que c'est pas si con les films où. C'est là où tu te rends compte que c'est pas si con les films où le mec il tombe à court de balle en plein milieu de l'action d'une manière totalement conne parce qu'en fait, tu y penses vraiment pas à recharger. Bon, je crois que j'ai tué tout le monde. Oh putain, j'ai quasiment plus de balles, tout va bien. J'ai l'impression que tout le monde est mort. Tiens, un coffre. Je sais plus. Je sais plus le. Je sais que j'ai une indication dans les documents. Alors, c'est dans. Je l'ai mis dans le dossier jaune, dans le dossier bleu ou dans le dossier rouge? Bah dans le dossier bleu, du coup, c'est le seul truc où il y a des trucs. Ça peut-être. The safe with four digit look. Lock, pardon, has been moved from the store's office on the second floor to the eastern office on the first floor. 2236. C'est exactement ce que je voulais savoir. 2236. Allez. 2236. Ah. A police station map. Ah, il était temps qu'on nous donne une carte de trucs. Merci, quoi. On voit que j'ai quand même exploré. Ah, mais il n'y a que le first floor, je crois. C'est quoi? Il y a une porte verrouillée là? Merde. C'est-à-dire qu'il y a une porte verrouillée par ici. Attends, je vais.
Je vais les combiner, ces herbes, c'est bon. Voilà, comme ça donne un objet de soin puissant. Là. Là, on a une espèce de... Cette espèce de dossier rouge, on peut pas le prendre, il fait mal aux yeux quand même. Bon, bah non. Oui, je vais les prendre. Merci. Alors, est-ce que je peux recharger ça? Ah, c'est que 5 maxi, ok. J'espère qu'il n'y a pas grand-chose à récupérer, sinon, mais... Enfin, d'un côté, j'espère qu'il n'y a pas grand-chose à récupérer, sinon je peux plus le ramasser. N'empêche que ça craint si jamais il n'y a que ça, parce que du coup, je fais quoi après, quoi? Là, on a une porte. Je peux faire ça après. Mais j'ai quand même envie de voir... s'il y a quelque chose, parce que... Enfin, c'est tellement facile de passer à côté de quelque chose dans cette salle, j'ai l'impression. Puis surtout... Cette porte-là, j'y suis pas allé encore. Si? Map. Ah, mais c'est celle qui est fermée. Celle qui est en rouge. It's locked. A heart. Donc un cœur est gravé sur la serrure. Donc j'ai une porte avec un carreau et j'ai une porte avec un cœur. Le pic, c'est fait. Et ensuite, bah, il n'y a plus que bah, le trèfle. Merci, Captain. Ah oui, ici. C'est une salle que j'avais jamais explorée à fond, c'est vrai. Ah. Attends, déjà. Là, c'est le moment de se faire plaisir. Mais de toute façon, la salle est faite pour ça, je pense, hein. C'est fait exprès qu'on ne peut pas s'en sortir avec le petit flingue. Bon. Je crois que le reste, je vais les finir au... Au flingue. En fait, le truc qu'il faudrait que je fasse, c'est sortir. Je vais faire ça. Je vais sortir la salle et re-rentrer et on va voir ce qui reste, tout bêtement. Parce que sur la quantité qu'il y avait, ça m'étonnerait qu'ils soient vraiment tous morts, en fait. Après, c'est possible, hein, mais... J'aurais vraiment de la chance, quoi. Je crois que j'ai vraiment eu de la chance. C'est pas un objet à ramasser, ça? Bon, bah, c'était pas un objet à ramasser. Une herbe que je peux pas ramasser, du coup. Après, vous me direz, la malle est pas très loin, donc... Nothing is wrong. Mais je veux pas savoir si quelque chose ne va pas, je veux un truc, je sais pas, donne-moi un truc à bouffer, jeu. Ah bah tiens, je suis jamais encore allé par là, je crois. Non. Ah bah tiens, je vais pouvoir... Ah oui, non. Ok, ça mène sur la salle qui est juste au-dessus, en forme d'espèce d'anneau, je sais pas. Mais... On va pas s'en occuper tout de suite.
ça a pas l'air cool. On va pas s'en occuper tout de suite. Je vais aller à la malle pour. Non, elle est pas là. Je vais aller à la malle pour déposer plein d'objets. Enfin, plein. On s'est compris quoi, mais bon. Ah! J'adore les contrôles de Resident Evil. Ces contrôles sont tellement instinctifs. N'empêche que je rigole, mais c'est vrai que ça permet quand même d'avoir une fluidité dans le mouvement lors des changements de plan et pas se retrouver perdu à est-ce que je reste appuyé dans la même direction ou etc. Alors ça, je vais les déposer. Ça aussi. Ça aussi. Le reste, je pense que je vais déposer les munis parce que le fusil il est tellement efficace que 5 balles, franchement, je pense que ça devrait suffire. Ah oui, c'est vrai que aussi, truc très instinctif, il faut appuyer sur A pour grimper ses escaliers. On va pouvoir aller dans celui-ci, le couloir. Voilà, ça bouge. Putain, on y voit totalement, hein, avec ce plan. Est-ce qu'il saigne? J'ai l'impression qu'il a l'air de saigner, oui. Alors, ça sera peut-être pas très visible dans la vidéo, mais en fait, il a le bout du moignon là. Qui a le bord du moignon qui a rougi. Du coup, je pense qu'il y a effectivement une flaque. Aïe, aïe, aïe. Ça, je peux les gérer comme ça. Est-ce que le troisième est mort? Le troisième est mort. Parfait. Je suis quelqu'un d'horrible. Je crois que là, c'est le carreau. Est-ce que la porte était violette sur la carte? Si vous regardez bien, en fait, la carte, les portes sont d'une couleur différente selon si elles sont ouvertes, enfin, ouvrables en tout cas, selon si et selon la clé en fait avec laquelle elles sont fermées. Si elles sont fermées, par exemple, la porte rouge c'est celle qui s'ouvre avec le cœur et les portes violettes c'est celle qui s'ouvre avec le carreau. Par contre, on voit qu'il y a des portes vertes qui m'attendent et ça doit être le trèfle. Putain, mais cette porte, est-ce que tu t'attends vraiment à cette porte dans un commissariat? Le club. C'est comme ça que ça se dit? On sait que c'était Clover. Alors ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'est pas mal du tout. Une herbe verte, parfait. Bon, bah, il y a que... Je ne peux aller que là. Que je suis tout seul. Là, c'est une salle d'interrogatoire, tiens. D'ailleurs, on voyait déjà sur la carte que cette salle était divisée en deux parties. Ah, on a un objet qui apparemment est intéressant là-bas. Une petite clé. Génial. Moi, je voulais une grande clé, justement. Nothing special on the shell. Yeah, of course. Non. Est-ce que je peux pas? Je peux pas.
Parce que là, du coup, la petite clé, mais une petite clé, c'est pour ouvrir un petit truc, genre un tiroir, un truc comme ça, quoi. Pas pour ouvrir une porte. Là, ça m'embête un peu. Oh putain, mes munitions de flingue baissent vraiment à vitesse grand V. Faut vraiment que je fasse gaffe là. En plus, je suis sûr que ce qui brille sur l'armoire d'en face là, je suis sûr que c'est une clé. Obligé, c'est une clé. Une grande, celle-là. Mais c'est pas possible. Bon, bah. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois. Je vais réfléchir à tête reposée à tout ça. On va revenir à l'entrée. Pour que je puisse y sauvegarder. Là, ouais, tout le monde est mort. Bref. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager si elle vous a plu, et à vous abonner si jamais vous voulez me suivre sur YouTube. Et la partie, du coup, ce sera la partie 5, arrivera normalement vendredi prochain. Ah oui, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitch, puisque c'est là-bas que je fais mes lives maintenant. Donc, d'autant plus, n'hésitez pas à venir sur le Discord ou à suivre. À me suivre sur Twitter pour ne pas rater les lives, vu que c'est là que je les annonce. Voilà. Peut-être que ça, c'est verrouillé de l'intérieur. Et ouais. Bon, bah du coup, on se laisse ici. Moi, j'irai sauvegarder hors caméra. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, bonne semaine. Ciao.